Allez où? Zébardi, pour de nouvelles aventures. Oh non, ma manette, pourquoi? Oh. C'est vrai que j'ai joué à des BD vendredi, et qu'il y a conflit avec ma manette. Alors, cette fois on se trompe pas en lançant la partie, je ne fais pas suite de partie de Sora. 9999. 9999. Chargé. Riku. Oh bah dis, du coup j'ai absolument pas pexé. J'avais dit que j'allais pexer, j'ai pas pexé. Je n'ai rien fait. Oh, ce week-end j'ai rien fait. Samedi j'étais pas là. Et hier, depuis 7h du matin, j'étais dans l'attente du SMS libérateur qui disait c'est bon, le petit est né. J'ai rien fait. Allez, bon, on va continuer du coup. On pexera sur la route. Sur la route. Para. Paralila. Eh, hey, venez vous battre. Super. On sent le skill du lundi matin. Mais comment ça, je viens de me faire brain tous mes trucs là? Je me fais brain tous mes combos. Quelle donc cette sorcellerie? Un peu d'entrain, c'est le lundi matin. Allez, viens là, Jean-Bobby la fronde, là. Est-ce que je te stun? J'ai les stun. Yes. Ouais, mine de rien, je n'ai plus beaucoup de cordes. De cordas. Je veux ma gros, maintenant qu'il y a ça. Une 1. Une Uno plouche. Tiens, une Uno. Ouah, avec un point de sauvegarde. Allez, mettre une carte. Riku mode jupette, c'est ça. Il casse des bouches en mode jupette, le Riku. Ah d'ailleurs, rien à voir, mais ça y est, j'ai reçu les... J'ai reçu mes nouvelles alertes ce matin. Du coup, normalement, je vais régler tout ça. Et on va avoir des nouveaux trucs... Putain, mais c'est où ça? Ça m'énerve. Je vais avoir des nouvelles alertes. Du coup, je vais trouver des petits sons. Hein. Des jolis petits sons kawaii à mettre avec. Eux, ils sont pénibles, ouais. Pourquoi je suis en train de décéder? Pourquoi je perds de la vie? Oscure? Ouais. On va prendre de la life. Hein. Y a pas de tonneau ou truc qui éventuellement pourrait me rendre de la vix? Non. Ah mais j'ai up, je suis con. Mais qu'elle est bête. Mais qu'elle est bête. Et coucou Rayleigh. Comment que ça va si bien? As-tu passé un bon week-end? Pas de magie, juste taper taper. Mais j'ai pas de magie avec lui. Y a pas de magie avec avec Riku.
Enfin, pour l'instant, j'en ai pas en tout cas. J'ai que du taper-taper-taper avec lui. Du taper-taper et je peux invoquer le roi Mickey. Parfois. Quand ça ne rate pas. Et Riku, et bonsoir, guide. Comment que ça va? Tu viens râler sur Shakipu, c'est ça? C'est. Coucou Frix! Comment que ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end, les boys? T'as passé un bon week-end? Que. Cool, cool, cool. Écoute, ça va. Tant qu'il me ping pas, ça va. Ouais, c'est ça, ouais. Il fait ce qu'il veut, hein. C'est son serveur Discord, je te ferai dire. Écoutez, moi j'ai passé un bon week-end aussi. Samedi, je suis allée manger au resto avec un pote de lycée que je n'avais pas vu bah, depuis le lycée, quasiment. Mais je vais mourir. En fait. Juste. C'est ça le projet? C'est le décès? Ah, si le... Oh putain. Sauf si j'arrive à avoir un heal. Yes. Ouh, ouh, ouh. Merci le roi. Merci the king. Après j'ai comaté parce que j'avais beaucoup trop mangé. Et coucou externe. And ce que je disais tout à l'heure, hier j'ai larvé comme une crotte devant Netflix en attendant l'arrivée du divin enfant. C'est moi qui ai une couronne, pas lui. Moi c'est Simba. Je devrais le régler pour que vous puissiez pas configurer le ban de Shakipu. C'est honteux. Oh merde, pas eux. C'est honteux. Shakipu est le maître des lieux. On devrait pas pouvoir le mute comme ça. C'est moi Simba, c'est moi le roi. Yo yo animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale. En poussant très royalement, un rugissement bestial. Voilà. Je trouve pas, c'est mon Disney préféré, hein, tchè. Et coucou, Sheltier. Comment que ça parte? Oh là, dis donc, calmez-vous, tic-tac. Je crois que je me suis trompé de stream. Ah bah d'accord. Ah bah, très bien. Pardon. Mais ça chante du Disney. Moi je l'aime bien le Disney. Je récupère de la life. Yes. Ah, tu passes un bon week-end, Shaltir. Copyright strike, pas du tout. Ça peut être un copyright, je fais mieux que l'original. Très bien, merci. Très très bien. Eh, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis Tata. Je pense que je vais vous le dire pendant à peu près 5 semaines, donc préparez-vous. Voilà, je... Comment ça, si je mute ce gland? T'es en train de parler à qui, là? Tu parles de Shakipu? C'est Shakipu, le gland? T'as pas honte de parler comme ça de la 7e merveille du monde? Oh Hades, salut. C'est honteux. Honteux, monsieur. Oh mais crotte. Ah, bonjour. Non, je veux juste la petite carte du roi. Merci. Mais... Ma queue le roi? Ou I Dream?
Mais pourquoi il me cut le roi? Comment se fait-ce? Pardon. Super. Oh là là, mais je suis nul, hein. Ok. Oh, ça va pas bien se passer. Premier combat, ça va pas bien se passer. Mais ça y est, il passe en mode mini-jupe maintenant, lui. Et c'est too late, mon pote, là, la mini-jupe, hein. Mais quoi? Mais il me bully tout! Bah ouais, mais c'était sûr, ça. C'était sûr. Mais non, mais attends, mais il me cut tout! Il me cut tout! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je refuse catégoriquement de me faire bully comme ça. Je suis en regret de vous annoncer que je refuse. Ah mais attends, mais j'ai d'autres trucs que j'ai pas use. Tiens, déjà je vais prendre ça. Je peux rien faire, je suis full neuf mon pote. Ah ah, comment le malin là. Après je vais faire ça. Je sais pas à quoi ça sert mais... Ouf. Je vois toujours pas où elle est la barre. La barre qui dit combien de temps elle fonctionne, là, les cartes que j'utilise. Ok. Ça m'a niqué. J'ai ça. Jafar! Super. Mais non, normalement ils sont pas infinis, justement. On est censé avoir un timer. Oh putain, mais il me brain too. Oh dis donc, mais tu es agaçant. Oh, il m'a stun! Nyon! Blue Lagoon. Elle est sympa la série. Super. Mais putain! Mais bouge! Qu'est-ce qu'il fait ce con? Bah voilà! Je dis bah voilà, genre. Bah voilà, c'était facile. Aise! Hein. Et bim! La présence. Il se passe toujours rien. Putain, les mondes sont tellement nuls. Je pense que ça va être là-haut. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça va être là-haut. Les modes sont tristes en mode Riku. T'avances, il y a des mobs, il y a des boss. T'avances, il y a des mobs, il y a des boss. C'est tristouille un peu. J'ai regardé Ratchet ce week-end. Je sais pas si vous connaissez. C'est une nouvelle série Netflix avec une infirmière lol totalement tarie. C'était trop bizarre. Je crois que cette série, elle a volé mon âme. Allez, Ratchet le Lombax, quoi? Ratchet tout court. Oh non! Qui les a invités, eux? Non! Il brain avec un jump. Quel enfer. Mais...
Mais je l'ai lancé avant qu'il se retourne. Il triche en plus. Oh! Mais ça cheat. Ok. Yes. Un plaisir. Pour le plaisir. Ah d'accord, ah ouais non, c'est pas du tout la même ambiance hein, par contre. Là je te dis, t'es ambiance meurtre... meurtre hôpital psychiatrique, totalement creepy. C'est pas le même d'elle, you know. Ah, il me rattrape. C'est bon, je suis sorti. Pourquoi cette hermosade, Naminé? Quoi penses-tu? Ça t'embête de brouiller les souvenirs du Sora? À moins que... Ça suffit, Larsen. Naminé va oublier Sora. Comme ce surprenant. Ne t'en fais pas, Naminé. Je vais chasser ce qui te fait du mal. Je le jure sur le porte-bonheur que tu m'as donné. Je reviendrai. Stupéfiant. C'est comme si tu avais reconstruit son cœur. Le porte-bonheur était particulièrement bien vu. J'ignorais que tu pouvais utiliser les souvenirs des gens pour transformer les cartes en objets. Comme tu l'as fait avec le porte-bonheur de Kairi. Sora aura bientôt oublié cette fille. Tu n'auras plus qu'à le... Il ne l'oubliera pas. Je peux modifier sa mémoire autant que je veux, Sora n'oubliera jamais Kairi. Ses souvenirs de moi ne feront que renforcer ses sentiments pour Kairi. Parce que je suis son ombre. Et alors? C'est une très bonne raison pour ne pas échouer. Réécris le cœur de Sora et tu pourras être quelqu'un. Pas seulement l'ombre de quelqu'un. Dans le cœur de Sora, tu seras réel. Ok. Comment ça, Ishpin l'ombre de Kairi? That's very strange. Je sais plus ce que c'est ce truc-là. Un truc rond. Oh, les deux, c'est la plaie. C'est quand même une très belle ombre. T'aimes bien les blondes, toi, K.O., non? Pointi panlina lida pipon pan pipanlina pon. Que c'est l'ombre de Kairi? Je sais pas, mais elle a voulu prendre sa place du coup. C'est une connasse! On prend pas la place de Kairi comme ça. Ça commence à être un peu compliqué là. Donc, je pense qu'on va prendre un petit peu. On va prendre le temps, peut-être pas de clean les salles, mais de faire un petit combat par-ci par-là. Que ce soit pour les cartes ou pour l'XP. Je pense qu'on va en avoir un peu besoin là. Peut-être EP aussi les attaques. Ah. Le chat est dans le carton, je répète, le chat est dans le carton. The cat is in the boîte. I repeat, the cat is in the boîte. Je vais pas spoil, mais on t'explique tout au début du 2. Le truc, c'est que le 2, j'ai déjà fait le début. Putain, je me souviens tellement pas. Je me souviens qu'il y a un gamin, il est blond. Et je m'étais même fait la réflexion. Mais pourquoi Sora, il est pas dans le 2? Parce que j'avais pas fait ni celui-là, ni celui-ci, ni aucun autre top. Enfin, j'avais fait que le 1, quoi, le début du 1, que j'avais même pas fini d'ailleurs. Cat live, yes. De live. Mais il va pas rester. The cat is not in the carton. Je répète, il est sorti du carton. Il y a des pigeons devant chez moi, ils pètent un câble depuis tout à l'heure. Roxas? Il s'appelle comme ça, le Sora blond? Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Quand j'ai fait le 2, j'ai appris que c'était pas vraiment le 2.
Quoi? Ah oui, avec tous les jeux qu'il y a entre les deux, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, non mais... t'inquiétez pas, on verra en temps voulu que ça. Et c'est lui. Je vais peut-être prendre un peu de puissance. La puissance. Déjà Kingdom Hearts 1 est en pratique. Le 3, 4, tu les mets dans l'ordre. Ah bah non, il n'y a rien avant Kingdom Hearts 1. C'est littéralement le début Kingdom Hearts 1. Merci K.O. pour l'avancement du palier. Sinon, Xbox Series ou PS5, ni l'un ni l'autre, Geek, pour le coup, PC. Juste PC. Y a rien qui me hype sur... j'ai jamais été Xbox. Et y a rien qui me hype du tout sur... sur PlayStation, pour l'instant. Après, peut-être que... peut-être que... peut-être que je changerai d'avis à un moment, mais... Avant le 1, il y a Bird by Sleep qui est sorti après. Oui. Quoi, le truc avec Lady Aqua. Enfin, Miss Aqua, là. Je sais pas, on m'a dit de le faire après le 1, moi, Bird by Sleep. Je comprends pas comment je passe en forme zoom. Alors, du 4... paf. Cache X. Mais ça sort d'où, ça? 0.2. Tu les sors d'où, ces jeux? Et coucou, Kazoo. Tiens, bah voilà l'experte. On parle de jeux que je comprends pas. Apparemment, avant le 1, il aurait fallu que je fasse... Kingdom Hearts X, puis BBS, puis 0.2 pour les faire dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ces jeux dont j'ai jamais entendu parler de ma vie? Quelle donc cette ville gredinerie? As-tu passé un bon week-end, Kazoo? C'est ça. J'ai bossé jusqu'à 9h. C'est la merde pour le télétravail. Je suis en chômage. Ah merde! Ah, c'est chiant quand ça fonctionne pas. C'est chiant quand ça marche pas! <t'en>
Ah merde! Ah oui, voilà, tu peux pas faire grand chose quoi. Bah écoute, installe-toi confortablement! Installez-vous, mademoiselle! C'est bien du coup, tranquille le lundi matin. Tranquille, pépouzi. Point, 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 point. Oh non. Non. Bah si, en fait ça va. En fait ça va. Vas-y, bon, on va mettre un 7. Hein. Ça passe. Allez, c'est parti pour le boss relou. Je n'arrive jamais à faire. Bonjour, j'ai réussi. Eh bah yes. Donc pas. Eh bah yes. Eh bah yes encore. Eh bah yes toujours. Il est où mon petit roi là? J'ai besoin de vie. I want a life. Ouais. Bah oui mais je vais pas la claquer maintenant. Faut la claquer quand les pics ils sont tout en haut. Comme ça je suppose que ça les fait descendre direct. Ah. Je suis une abotix. Voilà, tu vois. Ah! Mickey! Ok. Là, je claque ça. Bim! De la vie! I want a life! Là, je fais ça. Voilà. Et là, on est d'accord. Là, on le bourrine. Là, on lui fait du mal. Par contre, je voudrais bien ma carte Mickey. Je vais me faire niquer. Elle va s'en aller. Allez, parti. Oh, j'ai pas eu ma carte. Ça, c'est chiant. J'ai raté. Oh, j'ai raté. Donnez-moi Mickey. I want Mickey. Yes. Non. De la vie. Quoi? Il m'a break. Comment ça? Ah oui, alors là. Bah cool, j'ai une deuxième carte verte. Il faut toucher, il faut toucher, il faut toucher. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, il a regagné de la vie! Ville gredin. Allez, vas-y, balance tes dés là. Viens là, toi. Mais viens là. Je le défonce. Je le répands une fois, mais après, je claque ma carte verte. Ce n'est pas une carte de petit vieux. Attention, bim! Putain, mais comment c'est tellement plus facile avec lui? Oh! Oh! Oh, je peux plus augmenter ça? Pourquoi je peux plus. Je voulais monter ma puissance. Bah, je vais monter mes PV. Hein. Huh. Crut? That's a crut? It's true, KO. Bah, ouais, mais après, en même temps. En même temps. Alors, c'est pas un reproche ou quoi que ce soit. Mais vous êtes pas beaucoup à participer et vous avez défoncé les premiers paliers. Donc bon. Donc, vous allez pas hypothéquer votre maison pour qu'on fasse Kingdom Hearts non plus, hein. Et coucou Sakakara, comment que ça va? Sinon c'est pas grave, hein. Ce sera
pour un autre moment. Je sais pas trop. À mon avis, c'est pas par là. Hein. Je l'aurais plus vu en haut, moi, le truc. Je veux mon palier. Il y a encore le temps. Hein. Il reste une semaine là. Tranquille. Tranquillou pipou. Et je vous dis encore une fois, si c'est pas là, ce sera une autre fois. C'est pas grave. Déjà débloqué des paliers cool. Eh, je peux jouer? Au secours. Je crois que c'est 18K, ouais, celui-là, je suis pas sûr. Je sais plus à combien il est celui-là. Faudrait regarder sur Discord. Là, comme ça, je les ai plus de tête. Les paliers sont de 4 en 4. Mais vous ruinez pas les gens, hein. C'est des jeux, hein. On les fera one day. Hop, on va aller là-dessus. Par contre, les mondes de Riku, ils sont quand même un peu chiants, hein. Si je puis me permettre. Y'a rien dedans. Quelque chose te préoccupe, hein? Vexen a disparu. Oui, je ne sens plus son odeur. Axel l'a éliminé. C'est déplorable. Et des membres de l'organisation qui se combattent entre eux. Le vrai problème, c'est Sora. Il est plus fort que Vexen, et pourtant, Namine a déjà dû... Putain, quoi? Il va devenir la marionnette de Marluxia. Ce n'est qu'une question de temps. Yo, player, comment que ça va? Que proposes-tu alors? Faut-il anéantir Sora avant que Marluxia ne le tienne sous son joug? Ce ne sera pas nécessaire. Si Marluxia doit régner sur la lumière, nous régnerons sur les ténèbres. Riku. Il ne reste plus qu'une carte. Si je m'en sors, est-ce que je pourrais enfin me débarrasser des ténèbres? Bah non. Sinon ce serait plus Dark Sasuke, ce serait pas rigolo. C'est normal, c'est la fatigue du lundi matin. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est les autres mondes. D'accord. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts pour la chanson la plus relou? Wouh! Pimpin, pira pipoum. Boudoudou tata, tira pipoum. Para papi lu pitutu, para papi la pitu, tara titi la pitatu, tara titi la pipu, para papi lom pipum pum, para pipi la pilu, tara titi lu tipum pum, piri papi la pipu, sous l'océan, taridi da du pari bibu bu sous l'océan. Tiriri turi buri da, tariri tari naminu, turu tu turu piri pipuru sous l'océan. Sa gueule! Ah non! J'ai chu! Pardon! Non, super, para pipurus papou,
C'est bien, c'est qu'elle te reste bien dans la tête en plus. Attends les deux. Oh. Moi je veux un monde avec le roi lion là. Je les connais par cœur celles du roi lion. J'adore le roi lion. Oh, pareil, si un jour on fait le 3 et que... Et qu'il y a la reine des neiges, mais vous êtes pas prêts non plus. Hein. Je veux d'autres Tarzan. Aïe aïe aïe, il était chiant le monde de Tarzan. Et je connais pas les musiques de Tarzan en plus. Gomené. Au bûcher. Au bûcher. Bah, je pense pas que ce soit les musiques qui gênent. Je pense que ce soit le fait que c'est la même musique en boucle. Tu vois ? Je pense que s'ils avaient mis par monde 2-3 des chansons, ça aurait peut-être... Enfin, tu vois. Et coucou, Freight. Tu es super jolie. Eh bah écoute, merci. Je suis en train de me taper ma meilleure tête dans le cul. J'ai dormi 3 heures, donc écoutez... Si mon sex appeal valise sous les yeux fonctionne, allez. Allez, j'accepte. Merci. Vous êtes gentil. Un peu de sport pour te réveiller. J'arrive. Ne quittez pas. Et c'est le sport du matin. On dab et ça fait du bien. Quoi ? Chaki Pu, il te plaît pas ? Mes musiques, elles te plaisent pas ? Mes dabs te plaisent pas ? Ça va, guide ? You will survive ? Ouais, moi franchement, le seul truc, Kazoo, c'est pas qu'il y ait les chansons des Disney. Moi, je kiffe les chansons des Disney, il y a genre zéro problème là-dessus. Le truc qui me fait chier, c'est que c'est la même musique qui passe en boucle. Si tu décides de farmer dans le monde, tu vois, même si je voulais, je pourrais pas farmer dans ce monde-là. C'est pas possible. C'est pas possible, je pèterai une pile. Très clairement, je pèterai un câble. Tu vas me parler correct, ok. Bah après, dans les autres jeux... Ouais non non mais... Le truc c'est que les musiques de Disney je les connais Kazoo. Tu vois je les chante dans un jeu, les musiques elles sont totalement random entre guillemets, du coup je le vois pas que c'est répété. Enfin moi ça me fait ça en tout cas. Là, j'ai envie de chanter tu vois. J'ai envie de dire tous ces secrets que j'ai gardés. Enfin tu vois, il y a plein de chansons qui sont cool. Pourquoi il y a un cœur sous l'océan? Non mais je suis pas venue pour souffrir, ok? C'est vrai. It's true. Une petite neuf, s'il vous plaît. Pora pipilo pipipum Puru-pup-tum putum Piri-pipilum pititum Piri-pip-tum putum Piri-pipilum pitum-tum Je suis pas au bon endroit. Je crois que c'était tout en haut, et moi je suis allé tout en bas. Pari-parou. Pari-parou. Pari-pari-li, pari-pari-li, pari-barou. Allez, Ursula. Y'a un truc que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps, ça fait au moins, mais quand je dis hyper longtemps, ça fait au moins 3 ans que j'y pense.
Mais je me dis que c'est un peu de la merde. Mais je crois qu'un jour, je vais vous balancer ça et vous êtes pas prêts. Ah, ça y est, j'ai le début de ma barre bleue. J'ai envie, quand il y a des... quand il y a des jeux, genre avec une petite musique machin, de récupérer une des musiques du jeu et de faire des paroles dessus. Pourquoi c'est vexant de se faire traiter de bruxellois? T'es pas bruxellois? Si t'es pas bruxellois, je peux comprendre que ce soit vexant de se faire traiter de bruxellois. Mais t'es pas bruxellois? Sinon, y'a rien de mal d'être bruxellois. Y'a un petit bébé qui fait pipi là-bas. C'est rigolo. Y'a un musée de la BD qui est plutôt cool. Et ouais, Statox! Comment que ça farte? Je suis pas bruxellois, j'y habite même pas. Ah, bah du coup... Enfin, qu'est-ce qu'il raconte, player? Il a trop bu l'eau de la piscine. Il a bu l'eau de la piscine. Parapitapitou. Pirapidoupilou. Pirapirapidou. Elle se fait rect un peu, là. Hein. Je suis en train de la victimiser, là. Eh, franchement, ça me fait tellement du bien de lui mettre tout ça dans la gueule avec tout ce qu'elle m'a fait chier dans le 1. Tiens, on fait moins la maline hein, quand on est en 2D. Hein. Oh non, recherche pas maintenant, recherche pas maintenant. La patte. Ah, c'est reparti. Le monde de Riku, c'est le mode des fouloirs. Bah j'avoue que limite il fait du bien, hein. Franchement. C'est totalement ça. Bah franchement ce combat est... Enfin... Le 1 on l'a pas fait il y a si longtemps pour que j'ai plus le combat en tête quoi. Donc il est tranquille hein, le combat de ce boss. Je vous dis moi les deux seuls boss qui m'ont fait péter une pile c'est celui de Monstro et Riku. Quand faut que tu battes Dark Sasuke là c'est très chiant mais sinon ça va les combats hein. Ils sont tranquilles hein, dans celui-là. Allez, j'ai pas envie de faire. Ah oui dans le 1 ouais. Super, ça c'était bien. Merci Dark Sasuke Kun. Qu'est-ce que tu fais? Allez bisous le poisson. Bibi le poisson. Il est tout en comme un ballon. Bah oui je peux plus. C'est cassé. Mais la porte. The door. Mon dieu. Allez, est-ce que c'est là la bleue? C'est pas là la bleue? Ça devrait être là la bleue, au bout du chemin. La bleue. Et salut Lost! Comment que ça va-t-il bien? Putain, elle est pas là. Quelle est cette ville grédinerie? Ça va être celle qu'il y a ici, juste pour m'emmerder. Je suis têtu, donc je vais quand même aller regarder. La logique voudrait qu'elle soit par là. Putain, bah c'est pas logique. Excusez-moi. Non, on va retourner par là. C'est rien que pour m'embêter qu'ils ont pas mis la sortie là. Vraiment, j'en ai marre de ce jeu. Je me perds à chaque fois. Oh là là là. Ouh là là là.
Non, c'est bon, je m'en vais. Pousse! Je m'en vais. Pour changer. Je vais m'acheter un GPS à Noël. Bah, non. Non, 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 non. On va aller voir par là. Je pense que c'est surtout que j'ai pas de bol. Oh! Bah oui, alors là, c'est le bouilli général. Excusez-moi. Non, mais laissez... Non, mais laissez-moi, par contre. Vraiment, je veux pas me battre. Je suis pacifique. C'est ici. Oui. Tu vois que j'ai le sens de l'orientation. Qu'est-ce que tu racontes, Kazu? Qu'est-ce que t'es dit? Ah. Salut. Oh non, faut se battre. Cette odeur. Tu es personne, toi aussi. Et tu t'en es bien tiré, Riku. Ta réputation est méritée. Mais crains les ténèbres. Craindre les ténèbres, quel gâchis. Je n'ai pas peur. Je le vois pourtant. Et tu es capable de les contrôler. Oublie cette peur qui t'affaiblit. Ouvre ton cœur et maîtrise les ténèbres qu'ils recèlent. Et si je dis non? Je te défonce. Alors tout s'achève ici. Toi, la lumière, les ténèbres, tout. Oula! Faut pas s'énerver, monsieur. Voilà le pouvoir des ténèbres. Et moi, Luxaius Skywalker, je ne céderai pas devant un poltron de ton espèce. Cesse de résister et fais place aux ténèbres. Mais j'ai dit non. Mais on avait dit qu'on ferait des knackis. Ah, il vole. Yes. Ok, il vole, il a 2 barres de vie. Et il a une grosse hache. Bonjour. Ah d'accord, très bien. Merci quand même, Kazu. C'est quoi, c'est pour être sûr que je vois ton troll, c'est ça? Oh, je passe en mode vénère. Je suis vénère. Je suis vénère, je répète. Je suis vénère, Riku a mis sa jupe. Je répète, Riku a mis sa jupe. Qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que tu vas regagner comme ça? En plus, je me suis pas perdue en Hyrule. Je ne vois absolument pas... Oh, si tu savais, comme j'ai pas du tout envie de relancer le jeu, par contre. J'ai encore la tête de cette grosse gnignée de ces morts, là. Bah attends, c'est... Il donne des coups de hache tellement gros que... Oh là! Ok, quoi? Aïe! J'ai beau être matinal. Tout va bien. Tiens! Tiens! Oh, quoi? Obscur! Et tiens! Et tiens! Oh là là! Au secours! J'ai mis ma robe! Je suis invincible! Tiens! Tu le voulais, mon pouvoir des ténèbres? Tu le vois là, mon pouvoir des ténèbres? Gros con! Comment ça, sa vie descend? Oh putain, mais il y a encore une barre! Ah oui, d'accord. Faut peut-être que je up un peu son pouvoir ténébreux. Oh, attends, sa vie descend pas quand même? Sa vie descend pas là? Et recro! Ah, mais tu n'étais pas là! Et tu n'étais pas là! Tiens! Oh! Il m'a brainé! Oh! Au secours! Ouais, ça c'était sûr. Ah, ça c'était sûr 3 fois. 10 fois. 50 fois. Excuse-moi. Oh, ça va pas bien se passer. Pourquoi ça va pas bien se passer? Ah, je suis re en mode pagne. Excusez-moi. Ah. Ah bah c'est les mamans, c'est normal. Allez, je voudrais une carte roi. Et je voudrais un petit roi pour pouvoir me rendre de la vie. Parce qu'avec sa grosse hache, il me fait vraiment bobo. Au secours. Quoi? Oh
Il lui reste pas beaucoup de monde après. Tu enchaînes avec Kingdom Hearts 2? Non. Non! Pas encore, Cave. Quoi? Mais c'est scandaleux ce qui se passe! Putain, le mec il te file des... Il est où le roi? Where is the king? Oh! C'est lui qu'il fallait que je lance. Je suis débile. Ah! Rends-moi de la vie. Ah! Oui! Non! Je lance tout, je m'en fous! Oh, Golden Sun 2. Non, 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 après ce sera soit. Arrêtez. Arrêtez de me tenter! Je vous rappelle qu'on a voté pour des jeux. D'abord on fait les jeux qu'on a votés, après on fait le reste. Ok, bah, je le défonce. Bah voilà. Là, le prochain, vous voterez sur Discord, mais ce sera soit le Nuzlocke. Soit Paper Mario. J'ai très envie d'essayer Paper Mario, cette saga, depuis que je l'ai vue chez Ko-fi. Je trouve ça mignon. J'ai jamais été très Mario, et je me dis que peut-être les Paper Mario pourraient me faire changer d'avis, en fait. Donc, j'ai bien envie d'essayer. Et Pokémon Nuzlocke, j'ai eu une clé pour le Pokélol, là, enfin le Noxemon, du coup j'aimerais bien essayer aussi. D'ailleurs, K.O., est-ce qu'en 2030 tu joueras à des jeux 2015-2020? Ce sera du rétro gaming. Ah. Je ne sais pas. Oh, j'ai gagné deux niveaux. Incroyable. Bah vas-y, on va monter deux points. La vache, attends, il m'a filé deux niveaux, mais je suis gras. J'ai mon chat qui vient de faire une acrobatie, il y a eu un gros bruit, je crois. Au fait, K.O., j'étais toujours... Tant d'amis sur Switch. Ah, bah faudra qu'on répare ça. Ouais, non, non, ça va. C'est juste que, en fait, il y a des pigeons en face de... J'ai un petit toit en face de chez moi, je vous raconte ma vie. J'ai des pigeons qui viennent tous les jours. Du coup, bah, chat qui pue, il kiffe sa race. Sauf que là, ce matin, il y en a genre beaucoup qui roucoulent. Et je pense qu'il y en a un qui a dû me passer devant la fenêtre. Et chat qui pue a sauté sur la fenêtre. Donc ça a fait un gros boom. Il est con. Quelle puissance! Qu'y a-t-il, Lexaus? Et c'est tout ce que peuvent faire les ténèbres? Eh bien, on dirait que je suis vaincu. Mais l'organisation triomphera. Je vais peut-être mourir, mais les ténèbres en moi vont grandir et te dévorer. Enfin, les ténèbres en toi même, peut-être. Parce que... Qu'est-ce que... Comme au début du jeu. Que s'est-il passé? Où suis-je? Je vois. Je vois parfaitement. Eh ben moi, j'y vois rien. Lexaeus? Non, 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 ça c'est Jean-Michel, ça. Riku, je vois ton cœur. Non, mais c'est impossible. Ces ténèbres ne peuvent appartenir qu'à une seule personne. Oui, souviens-toi de moi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Anselme. Tu as prononcé mon nom, Riku. Tu penses à moi. Tu crains les ténèbres que je contrôle. Bien. Plus tu penses à moi, plus mon retour approche. Et à mon réveil. Ton cœur m'appartiendra. Riku, pas toi. Ne laisse pas Anselme prendre le dessus. Cette voix... Majesté, ce roi est agaçant. Oh. Le roi me protégeait. Majesté, où êtes-vous? Répondez-moi. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? D'abord Vixen, et maintenant Lexaus. Que va-t-il devenir? Que va devenir l'organisation?
Larsen est hors course, elle aussi. Naminé s'est retournée contre elle. Qui sera le suivant? Peut-être toi? Moi? Non. Je me suis déjà fait battre par Sora. Je crois que mon compte est bon. Je ne tiens pas à recommencer ça tout de suite. Non, je pense que c'est le tour de Marluxia. Tu penses que Sora va gagner? Car quiconque capable de te vaincre est imbattable, c'est bien ça? En effet, Marluxia a comploté pour se servir de Sora contre l'organisation. Il me semble donc juste que Sora cause sa perte. Alors, nous n'avons plus besoin de Riku. Bonne chance pour te débarrasser de lui. Tu veux vraiment affronter quelqu'un qui a vaincu Lexeus? Ce n'est pas comme ça que j'opère. As-tu les informations sur l'île de Riku? L'air a changé. L'une des odeurs a disparu. Une odeur très forte. Ah mais il a une truffe le mec, il a pas un nez en fait. C'est un truc de ouf. C'était Marluxia, le gardien du manoir. Ex-gardien, devrais-je dire. Le maître de la Keyblade vient de l'achever. Le maître de la Keyblade? Tu veux dire Sora? Il est ici? Veux-tu le voir? Pourras-tu affronter son regard? Que veux-tu dire? Les ténèbres et l'ombre d'Ansem emplissent ton cœur. Tu n'as pas honte de rencontrer Sora dans cet état? Qu'est-ce que... Le destin de Sora est de combattre les ténèbres. En tant que héros de la lumière, il doit s'opposer aux créatures de l'ombre. En d'autres termes, toi, si tu ne me crois pas... Il vaut peut-être mieux que tu vois la vérité de tes propres yeux. Cette carte, c'est... Oui, votre île. Putain, mais c'est quoi ce bordel? En gros, la double aventure, c'est juste pour que Sora, il voit bien qu'il peut sauver le monde et que Riku, il voit bien qu'il est dans la merde. Ça m'énerve, faut qu'il arrête d'écouter les gens. Est-ce qu'on peut pas ouvrir une paire de boules-caisses à Riku, sans déconner? Il m'énerve à écouter toutes leurs conneries, là. J'ai cru pendant un moment, il va arrêter d'être Dark Sasuke et de chialer en boule. Il m'énerve. J'en ai marre. J'ai envie de le prendre, lui faire... Je n'aurais jamais cru que les vents de l'île me manqueraient tant. C'est drôle. À une époque, je rêvais de la quitter. Et maintenant, je suis soulagée d'être ici. Mais c'est... Oh! Hey! Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vous ai jamais vu aussi calme. Et quoi? J'ai une saleté sur le visage? Ah, mais dedans, c'est les premiers gens qui recroisent. Bah oui, j'allais dire, c'est sûr. Où sont-ils passés? Le pauvre. Il est seul au monde. Le voyage de Riku, c'est surtout pour faire face à ces ténèbres et les accepter. Bah oui, non, mais ça, je comprends bien, je comprends bien. Mais c'est pas ça, c'est... Il m'énerve, là, les Tiketak qui sont avec lui, parce que... Du coup, le gars, quand tu commences sa partie, il est déter comme Jaja. Genre, c'est bon, cassez-vous avec vos ténèbres, j'en ai pas besoin, tout ça. Et au final... Il suffit qu'on lui dise deux mots, et puis il est au bout de sa vie, quoi. Ça m'agace. Il n'a aucune détermination. Espèce de pleutre. Ah non, mais je dis pas que c'est un enfoiré. Non, non, je pense qu'il est... c'est juste un gosse, en fait. Enfin, moi, je le vois complètement comme ça, hein, comme un gamin qui s'est fait totalement manipuler par Maléfique, puis après qui s'est fait manipuler par Ansem, et là qui est en train de se faire manipuler par Tic et Tac, que je ne nommerai pas les noms parce qu'ils ont le nom de, des noms de meubles Ikea. Mais... Je pourrais les appeler la Team Ikea, d'ailleurs. Mais... Oh non, non, mais c'est... De toute façon, je suppose que la maturité du jeu évolue. Enfin, bref. Vous voyez quoi. Alors, une 1 plus, tiens. Hop. Euh...
On va être par là du coup. Qu'est-ce que tu fais, chat pourri? Come on! King de merde 2 plus mature. On verra. On verra! Manger des bananes. Je suis pas très fin à Totox, mais c'est gentil. Chaque perso évolue, mais c'est plus flagrant que certains que d'autres. Oui, bah j'imagine bien. Ça, c'est toujours pareil, hein. C'est pas du tout ce que je voulais faire, ça, par contre. Paf. Je veux EP son pouvoir des ténèbres qui casse des bouches. C'est pas ça que je voulais faire. Ah bah non, il repop là, lui. Bah, peut-être qu'il évolue au bout d'un moment, il ira plus brasier, il ira brasier, mais j'ai mal à croire à autre chose quand même. Il reste con, mais c'est un enfant le pauvre! C'est le héros niais, c'est normal! C'est Naruto! Naruto évolue mais reste débile, c'est normal! C'est dans l'histoire! Ah non, non, mais justement. C'est qu'est-ce qu'on dit? Ah, ça y est! J'arrive devant la porte. Alors, combien de fortune? Merde. J'aurais bien aimé y aller en pleine forme, par contre, si c'est possible. Mais pourquoi je peux pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais laissez-moi tranquille! Pourquoi je peux pas taper la porte? 7 verres. Ouais, c'est parti. Oh, Kairi. Elle va disparaître aussi. Hé, hey, Kairi. Ne me dis pas que tu... Oh. Non, non, non. Tu devrais te douter de... Tu devais te douter que ça va, que ça arriverait. Putain, je sais pas lire aujourd'hui. Au secours. Me douter de quoi? Tu as exploré d'autres mondes, et de ta mémoire avant celui-ci. Et dans ces mondes, tu n'as vu que des êtres obscurs. C'est tout ce qui reste dans ton cœur, des sentiments obscurs. Tes souvenirs de chez toi ont disparu, il ne reste rien. C'est faux! Je me souviens de tous ceux qui étaient sur l'île. Tidus, Steffi. Steffi. Bah non, Steffi, elle était pas sur l'île, non. Selfie et Waka. Kairi et Sora aussi. Ce sont mes... Mes... Ce sont mes... Mes amis. Et qui a rejeté ses amis? Aurais-tu oublié ce que tu as fait? Tu as détruit ton île. Cette nuit-là, l'île où tu as grandi a été anéantie, annihilée. De nombreux cœurs ont été perdus dans les ténèbres. À cause de ce que tu as fait. Oh putain. Non, non! Tu avais horreur d'être coincé sur ton île, coupé des autres mondes. Tu as ouvert la porte des ténèbres et anéanti ton pays. C'est toi le coupable! Maintenant, tu appartiens aux ténèbres. Regarde ce que tu es devenu.
Ça ne peut pas être moi. Mais c'est pas lui, ça. Mais quelle salade ils sont en train de lui faire bouffer, en fait? Moi, pour moi, ils sont tous en train de lui michto comme Jaja, hein. Il se fait manipuler de ouf, Riku, hein. C'est pas possible. Ça m'énerve. C'est soit il se fait manipuler, soit j'ai rien compris à la story, donc je préfère me dire qu'il se fait manipuler. Oh, bâtard. Mais quoi? Pardon? Mais pourquoi il est pas resté? Quel enfer! Il est où le roi? Pourquoi j'ai pas de... Il est où, Gibbouille? Mais attends, mais pourquoi il s'en va au bout de 2 secondes top chrono? C'est pas comme ça, normalement. Super. Avec le vent, je peux absolument pas bouger. C'est un plaisir. Ah! Je suis en mode pas content, pas content. J'ai mis mon pagne! M'énerve pas! Amuse-toi bien! Bisous, player! Oh putain! Coucou, chininininini! Super, je me suis trompée. Pourquoi il n'y a pas le roi là? Oh! Super, ok, ok. Génial. Ça, c'était sympa. Et bonne douche, chininininini. Non mais... Sérieux? Oh, c'est de la merde, non? Mais je peux pas le toucher! Sérieux, je le touche pas! C'est quoi ce combat là? Ça n'a aucun sens! Mais sérieux, regardez! Ça n'a aucun fucking sens! Ah ouais, ça je veux bien par contre. Quoi, ça c'est... Ah d'accord. Ah c'était tout? Bah c'est de la merde. Super. Pourquoi j'ai pas de roi? Pourquoi j'ai plus de... Mais pourquoi j'ai plus de cartes? Mais je croyais que mes cartes elles se généraient aléatoirement. J'ai plus de cartes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, il y a un truc qui va pas du tout là. Et coucou Vera, comment ça va? Là, il y a un truc que je n'ai pas saisi. Comment vas-tu, Vera Cruz? As-tu passé un bon week-end? Je croyais que je pouvais faire autant de combos que je voulais avec Riku, vu que de toute façon, mes cartes étaient popées aléatoirement. Quel est cet enfer? Mais écoute, ça va très bien. Le chat qui pue va très bien aussi. Tout le monde, il y va bien!
tout le monde, il y va bien. Ça va être long hein, si je peux pas me fight. Bah ouais, non mais... Ça. De toute façon, les combos servent à rien, je touche pas. Le mec, je le touche pas. C'est bugué les combos avec Riku, j'ai l'impression. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je peux pas me heal non plus. Il joue avec les pigeons, Shakipu, ouais. Il vit sa meilleure vie de Shakipu. Coucou Post-it! Comment que ça va? Mais allez-vous-en, vous! C'est un enfer. Yes. Je capte pas. Peu importe ce que je fais, je le touche pas. Je comprends pas. La vie est un enfer sans que je ne le veuille. Bah écoute, ça va, sauf que je suis présentement dans un combat qui n'a aucun sens! Puisque je ne touche pas le boss, jamais, never. Il veut genre pas. Je comprends pas. Le jeu il est cassé. Coucou chapeau lapin. Comment que ça va? Allez! C'est lui qu'il faut taper. Mais c'est lui qu'il faut taper! Qu'est-ce qu'il fait, gna gna gna? Tu te réveilles seulement? Mais t'as bien raison, la grasse mat c'est la vie mon ami. Il fait quoi? Moi, je balance tous les trucs au fur et à mesure, hein. Je sais pas trop à quoi ils servent mais bon. Ça coûte pas plus cher de les balancer donc on se fait plaisir. Pourquoi je le touche pas? Pourquoi je te touche pas? Jean-Mich-Mich. Mon épée, elle est cassée. Bien écoute, bon appétit à toi. J'espère que tu as passé un bon week-end. Que tu as bien profité. Attends, c'est Ursula que je veux. C'est Ursula que je veux. J'ai déjà calé Ursula. Oh putain, je fais n'importe quoi. Ça y est, j'ai tout claqué. J'ai fait Nawak. J'ai fait Nawak. Solitude, jeu vidéo, travail, palpitant. Ah. Pourquoi ça? Je le touche pas, hein. C'est ouf ça. Le mec, j'aurais pu le tuer 3 fois, hein. Peut-être même 4, mais je le touche pas. Je suis au-dessus de lui, comment je peux ne pas le toucher? Mais oui, mais ce combat est très chiant en vrai, hein. Mais c'est de la folie, hein.
Enfin, ça sert à rien de jouer Riku dans ce cas-là. Si le mec... tu lui passes littéralement au travers. Quel est l'intérêt? Je vais mourir, hein, de toute façon, mais... Je me prends encore un coup, je suis dead, donc... C'est con, ce sera pas passé loin. Voilà. J'allais dire, il suffit qu'il m'envoie une boule, et c'est dead. Putain, mais que c'est chiant! T'es... Enfin... Là, vraiment, il y a un truc que je capte pas, hein. Je suis censé avoir le mode... Le mode Ombre pour lui faire des dégâts. Mais le gars... Tout ce que tu fais pour le touch, ça le touche pas. C'est... Non. Non. Hé, hey, coucou! Comment que ça va? Chepelli, how are you? J'ai vu la réponse vite fait, là, des gars du jeu. Bah, ça va, ça va. Ah! I-ou! I-ou! Ou, ah, ah. Je vais essayer de lui brain ses trucs, à part ses petits bras, là. C'est le seul truc où j'arrive vraiment à le taper. On va essayer, hein. Ça, on le brain. Ça, on brin pas. Allez, mais saute! Mais quel enfer! Ça, je l'ai cassé. Et franchement, j'ai fait zéro. Ça aurait dû le casser, le zéro. This is not normal. Ça, ça casse. Enfin, limite, il faudrait que j'aille regarder quand même ce qu'elles font, mes petites cartoonettes, là. Bah oui, ce que je te disais, j'ai vu. Bah, je me suis pris la tête, oui et non. Le seul truc qui me fait chier, du coup, c'est que en le prenant sur Amazon, j'avais 3€ de frais de port. Donc mon tome, je l'ai payé 12 balles. Il m'aurait coûté moins cher sur Point Manga. Mais c'est pas grave. Au moins, je l'ai, tu vois. Parce que je te dis, le mec sur le bon coin, là, quand j'ai parlé avec lui, en lui linkant le truc, le mail de. Enfin, le tweet de Teifu, le mec, il l'a remis à 40 balles, hein. Il l'avait mis à 35 en me disant oui, c'est bon, je l'ai mis à 35€. Je dis, mais vous faites ce que vous voulez en fait. Je vous dis juste que voilà, c'était juste pour information. Si les gens sont un minimum informés, votre truc ils l'achèteront pas à ce prix-là parce que enfin, c'est de l'arnaque quoi. Mais ouais, au moins je l'ai. Enfin, je l'ai. Il devrait être en route. Il devrait arriver cette semaine. Ce qui fait chier, c'est que j'ai fait une commande à la Fnac. Pour le tome 4, et le dernier tome qui est sorti, là, de Kikoeru. Et je les aurai pas avant la fin du mois. Falloir que je tienne, faut pas que je feuillete le 5 avant d'avoir lu le 4. Oh mais non. Allez, mais je sais pas, passe... Voilà, passe au moins dans le verre, mon gars. Mais c'est fou quand même, hein, le succès de cette série. C'est incroyable. J'ai regardé le clip de la musique du film. Bon, je comprends pas le japonais, mais j'espère que c'est la chanson qu'il a fait pour son chéri, du coup. Enfin, son nouveau chéri. Qu'il a dit que la prochaine chanson, il aimerait bien l'écrire pour lui. Enfin, là où j'en suis, en tout cas. Du coup, j'espère que c'est ça. En tout cas, elle a l'air plus peace. Dans l'idée. Given post-it. Je sais pas si tu connais. C'est un... C'est catégorisé dans Yaoi, mais c'est très très soft. Mais genre très 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 soft. En tout cas, là où j'en suis, tu ne vois absolument rien. T'as un bisou en une saison, mais c'est musical. Enfin, c'est surtout le thème musical qui est trop trop bien. Non! Bon, attendez juste une seconde, je vais essayer de me sortir les doigts du cul. Ce serait bien qu'on le tombe, Jean-Michel. Mais pourquoi il me fait sa transformation maintenant, lui?
C'est une joke en fait. J'ai mal au petit doigt. Allez, Ike, Ike. Oh, oh oui. Yes, je l'ai eu. Non, il va me buter. Non, 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 non. Oh putain, ça me vénère ça. Quoi? Non mais il est mort là. Ok. Oh, j'allais dire là quand même hein. Merde. Là c'était la pinette de trop. Hein. Là c'était c'était non hein. Au secours. Attendez, je bois un coup parce que ça m'a donné soif. Avant, attends de lire le tome 4. Arrête! J'en peux plus, t'es en train de me teaser des trucs de ouf, je vais lire, j'en peux plus. Stop it, please. Par contre, celui qui tourne pas bien, je trouve, c'est Ida machin, là, Kikoeru. Lui, il tourne pas bien. Lui, je sais que je vais chialer de ouf. Ça m'énerve déjà. T'as mérité ta vodka? Oui! Sora? Arrête, Sora, tu ne me reconnais pas? Si, je te reconnais. Je vois très bien ce que tu es devenu. Mais c'est pas Sora. Oh, c'est pas vraiment Sora. Regarde-toi. Tu recules devant la lumière. Tu n'es plus Riku. Tu es le valet des ténèbres. Mais c'est pas Sora. On n'a jamais fait ça. Très bien. Il est temps que tu affrontes la lumière. Mais jamais. Mais qu'est-ce que... Oh, dis-moi que j'ai récupéré ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oscur, attendez. Je disparais... consumé par la lumière. Tu ne disparaîtras pas. Coucou Elian, comment vas-tu? C'est impossible. Aucune force ne peut te vaincre. Ni la lumière, ni les ténèbres. Alors, ne fuis pas la lumière. Et ne crains pas les ténèbres. Je me suis pris le tome de Spy X Family. Mais je l'ai toujours pas lu. J'ai voulu le prendre hier à la Fnac, mais ils ont été dévalisés, il était plus là, Sakakara. Je vais essayer de voir si je peux le choper à la fin du mois. C'est juste trop choupi. Mais oui, ça devient triste un peu. Ouais, ça m'étonne pas, là, j'ai le tome 4 qui arrive, la fin du tome 3, elle me plaît pas déjà. Ça va nickel, Elian, je te remercie. Tu as passé un bon week-end? Toutes deux te rendront plus fort. Les ténèbres aussi? Surtout les ténèbres, car ce pouvoir t'appartient à toi seul. Les ténèbres de ton cœur sont vastes et profondes. Mais si tu peux leur faire face, tu ne connaîtras plus jamais la peur. Durant tout ce temps, j'ai repoussé les ténèbres. Sois lucide. Prends conscience de ta part de ténèbres. Mais ne lui succombe pas. Tu obtiendras ainsi une force extraordinaire. Tu pourras échapper aux forces du mal. Et je pourrai voir dans la lumière la plus aveuglante? Suis les ténèbres, Riku. Elles te conduiront aux amis qui te manquent tant. Putain, mais il se trappe encore, c'est totalement pas Kairi, ça. Mais est-ce que je pourrais les regarder en face? Tu n'en as pas envie? Tu sais bien que oui. Ça pue, ça. Hein. Et j'y arriverai. Les ténèbres, mes ténèbres, me montreront le chemin. Ténèbres, réveillez-vous! Ah, ça schmoute quand même un peu, hein. Impossible! Achète, tiens! Comment m'as-tu trouvé dans la lumière? Tu empestes les ténèbres, même la lumière ne peut bloquer cette odeur. J'ai suivi les ténèbres jusqu'à toi. Malgré toutes tes protestations, tu n'es qu'une créature de l'ombre. Je sais qui je suis. Depuis quand? Avant, les ténèbres te terrifiaient. Plus maintenant. Ah! Hypocrite! Il s'est enfui. Ah, il y a Jean-Michel, il va arriver là. Il va être content lui par contre. Je suis sûre que c'était pas Kairi. Hein. Pour moi, c'est l'autre qui le manipule de ouf. Hein. J'en sais rien. Je ne sais pas. Moi, celui que j'ai acheté, là, du coup, qui me branchait de ouf, c'est Hitman.
les coulisses du manga. Rien à voir avec le chauve le chauve au tatouage, mais je l'ai pas lu encore, mais je me suis pris le tome 1. Oh merde, mais attends, mais c'est vrai que je suis au bord du décès. Au secours! Laissez-moi partir. Du coup, faut que je lise ça. Et là, j'ai commandé quoi en nouvelle série? Alors, j'ai commenté Gannibal, la série de Meian, là, qui a l'air trop chelou, mais je comprends pas. Dans aucune librairie où je vais, Meian n'existe pas. Il y a des Kingdoms, mais sinon, ça n'existe pas. Et je me suis commandé Children. Lui, il a l'air juste dingue de ouf. Bon, ça va être une série en 2 tomes, donc ça va être vite vu, mais il a l'air terrible. Terrible! Terrible! Voilà. La jaquette, elle est ouf. Ça, c'est totalement un truc qui m'a eu à la jaquette. Hein. Et coucou, Mr. Bean! What's up? Je suis Mr. Bean. Je suis né le 6 janvier 1955 et j'ai 65 ans. Eh bien, bienvenue à vous et merci beaucoup pour le follow. Il est bien aussi celui-là, comparé à Bakuman. On voit le quotidien d'autre. Bakuman, j'ai adoré cette série. J'aime trop les trucs qui parlent de manga en mode mangaception. Ça me fait triper. Puis j'ai bien aimé Fuka. Donc, eh bien, toi aussi, tu l'es probablement, Monsieur Bean. Je te remercie. En même temps, qu'est-ce que la beauté? N'est-ce pas totalement subjectif? Est-ce que tu es sûr que tu ne t'appelles pas Kevin et que tu n'as pas 10 ans plus tôt? Moi, j'attends le T7 de Lost Children. Mais ça va être long avant la sortie. Je vois pas ce que c'est, par contre, ça. Tac. Oh, j'ai trouvé du premier coup. Incroyable. Oh merde, pardon. Excuse-moi. C'est vrai. Erreur, Riley. Bon, écoute, tu vas aller polluer un autre live, Mr. Bean. Inch'Allah à toi, hein, et salut. Allez, bisous. Ah, putain. Création originale qui... Je vois pas ce que c'est. Et qu'est-il devenu? Personne n'a jamais irradié les ténèbres comme lui. C'est impossible! Mais si, parce qu'il a Jean-Michel avec lui. Attends, c'est la poupée ou c'est le vrai? Je sais plus, du coup. Riku? Non, c'est la poupée, lui, non? Oh, mais oui, bien sûr, la copie de Vexen. Bien vu! On peut servir de ce Riku pour vaincre le vrai. Oh non! Non, plus de Riku! Plus de Riku vs Riku, s'il vous plaît. Axel? Dis-moi, Riku. Ça doit être dur de savoir que tu es une réplique. Je parie que tu aimerais être réel. Oui. Eh bien, c'est possible. Tout ce qu'il te faut, c'est une force que le vrai Riku ne possède pas. Obtiens-la, et tu pourrais être quelqu'un à part entière. Pas Riku, ni personne d'autre. Tu ne seras plus une simple copie. Tu seras toi. Axel, qu'est-ce que tu lui racontes? Je crois que tu peux très bien commencer par lui, Riku. T'as perdu la tête? Désolée, Zexion. Te protéger n'est pas aussi drôle que d'observer Sora et Riku. Non, arrête! Kiyun flaire toujours les bons tuyaux. Mais c'est une bonne... ouais, c'est une bonne maison d'édition, je trouve. Riku? Riku? Qui est là? Bah, c'est toujours en scène. Je connais cette voix. Je sais que tu la sens, Riku. L'emprise que j'ai sur ton cœur. Tu t'es laissé envahir par les ténèbres? Et ton cœur sera bientôt rempli d'une obscurité dévorante. Je ne suis plus comme ça. Détrompe-toi. Oh là. Je ne peux plus bouger. Plus les ténèbres t'envahissent, plus je deviens fort. Contrôler ton corps est un jeu d'enfant pour moi. Ah, le retour du roi.
Oh, encore toi. Oh, heureusement que je suis arrivée à temps. Ça devrait retenir Anselme un moment. Désolée de n'arriver que maintenant, Riku. Majesté, c'est vous? Et bien sûr que c'est moi. Hey, arrête! Ça chatouille! Ah, mais il peut le toucher! Ah, cette fois vous êtes vraiment réel, plus d'illusions. Je suis si content de vous voir. Je te l'avais pourtant promis, non? Ne vous en faites pas, je vais bien. Je suis soulagée, c'est tout. Je suis seule depuis si longtemps. Que de voir quelqu'un, c'est un peu déroutant. Mais comment êtes-vous arrivée là, Majesté? Je vous croyais très loin. Une carte m'a indiqué le chemin. Je cherchais comment sortir du royaume des ténèbres et cette carte est apparue. Et dès que je l'ai ramassée, elle m'a montré ton cœur loin des ténèbres. Et c'est comme ça que je t'ai retrouvée. Et cette carte doit croire qu'elle... Hein? Elle t'appartient? Yes. Vous avez peut-être raison. Zabardi, quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai un one-shot du gars qui a écrit Pandora Hertz. Je l'ai pas lu. Ça me hype pas. C'est ma meilleure amie qui m'a filé ça. Je vais essayer de le vendre, je pense. Où suis-je maintenant? Cet endroit ne me dit rien. Majesté, savez-vous où nous sommes? Il est pas là. Majesté? Sa Majesté n'est pas là. Te voilà seule face aux ténèbres. Eh oui! Tu pèses déjà les bras? Alors accepte ton destin. Accepte qu'Anselme soit ton maître. Ah, c'est Anselme Vandamme, il parle de lui à... Tu n'es pas Anselme. Ton odeur est différente. Dans mon cœur, Anselme a une odeur plus obscure, plus putride. Ce ne sont pas les ténèbres que je sens, c'est... autre chose. Ouais, je regarde après, GPD. Je pense qu'on doit pas être trop loin de la fin. Je sais. C'est toi qui me guides depuis le début. Tu t'es fait passer pour Anselme. Tu m'as remis cette carte pour que j'affronte les ténèbres. En effet. J'avoue qu'il est plutôt perspicace. Oh, bah t'es qui, toi? Appelle-moi Diz. Mais même la musique, elle a changé et tout. Mais c'est qui? C'est un ninja? Qu'est-ce que c'est que c'est? Alors lui, je l'ai jamais vu de ma life, quoi. Et coucou, Lulu! Comment que ça va? As-tu passé un bon week-end? Ce nom en vaut bien un autre. Je t'observe depuis longtemps. Mais qui es-tu? Qu'attends-tu de moi? Je veux que tu fasses un choix. Un choix? Tu n'es pas comme tout le monde. Tu évolues à la lisière de la lumière et des ténèbres. Tu te tiens dans le crépuscule. J'avoue, dans Naruto, il pourrait totalement faire partie de la tribu des sables. C'est un pote à Gaara. Je veux que tu vois Namine, puis que tu fasses ton choix. Namine? Mais c'est qui? Tu vas devoir la rencontrer pour le découvrir. Hé! Hey, attends! Que ceux qui ne comprennent rien lèvent la main! Au secours! Eh bien écoute, oui, ça va Lulu, très très bien. Eh, je le redis parce que Lulu, elle était pas là, mais je suis tata depuis hier 22h30. Voilà. Donc ouais, du coup, ça va. Je suis contente. Du coup, bah hier, j'ai passé une bonne partie de la nuit sur internet à chercher ce que j'allais pouvoir lui acheter. La maman, du coup, qui est ma meilleure amie. Enfin, c'est comme ma sœur, c'est pour ça que je dis que je suis tata.
m'a dit que vu que c'était un petit garçon, ce serait un thème dinosaure. Sauf que j'ai pas trouvé des trucs qui me plaisent en dinosaure. Son papa, il est fan de musique, il est musicien. Donc je lui ai trouvé un petit body Freddie Mercury, qui est trop mignon. Enfin, body queen, quoi. Elle, elle aime beaucoup, comme moi, tous les trucs kawaii et Ghibli. Donc je lui ai pris un petit body Totoro, qui est trop mignon aussi. Et alors je sais pas, moi pour moi les bébés, il faut des grosses peluches, je sais pas, j'ai une représentation de merde comme ça. Du coup je lui ai trouvé un gros, c'est une grosse peluche, où bébé il peut se mettre dessus, et il y a plein de petits jouets et tout, il a une petite patte qui fait pouet pouet, c'est un loup en fait, qui est tout doux, et puis ça fait peluche, et puis ça fait jeu d'éveil, et voilà. J'ai littéralement pété mon budget. Au secours. Voilà. Savez-le. Donc n'hésitez pas à vous sub et à faire des dons. J'ai un neveu maintenant à gâter. Oscar. Et merci beaucoup, Fus, pour le follow. Bienvenue à toi. Ah non, mais franchement, mais ça me fait trop bizarre. Enfin, ça me fait trop bizarre en fait. C'est... Je peux même pas vous... Je sais pas. C'est indescriptible. Du coup, bah voilà, hier, j'ai chialé sur internet en mode... elle a accouché. Ma tétine, elle a un bébé. C'était incroyable. Et coucou et Bruce. Oh putain. L'annonce marche. Yes. Coucou Ebrus, merci beaucoup pour le raid, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous les Ibrusiens et tous les Ibrusiennes. Je ne sais pas trop. Coucou Henri Cac, comment vas-tu? Ah, c'est le sport. Et c'est le dab de bienvenue. Hop là. Et merci pour ce sport, sponsorisé par KO. Et coucou Ebrus, comment va? Coucou Nevan, comment vas-tu? Je pense que vous arrivez pour une petite fin de game. Voilà. Enfin, pas loin. Je pense, toi. Merde, ça c'est pas ce que je voulais faire. T'étais sur quoi de beau, Ebru? Bah écoute, c'est ce que je venais de dire, je viens d'être tata. Il y a ma meilleure amie qui a accouché d'un petit garçon de 54 cm. Voilà. J'ai eu sa photo ce matin. Je suis contente. Deux ou moins? Bah zéro, c'est pas mal du coup. Bon bah je pense qu'on va rencontrer Naniné. Ah, on est devant l'endroit où on a croisé Vexen la dernière fois. Tatek et Oricat. Ouais non, c'est un très grand bébé apparemment. 54, il fait un petit 54,5 quoi. Mais elle en a littéralement chié à le sortir. Hein. Enfin littéralement peut-être pas, j'en sais rien, je veux pas savoir en vrai. Le littéralement était tellement de trop dans cette phrase. Elle a eu du mal à le sortir. Ouais, apparemment c'est un très grand bébé. Mais c'est pour ça, j'attendais qu'il naisse, parce que si je lui ai acheté des fringues de naissance, il aurait pas pu les mettre. Il vient de naître, il met déjà du 3 mois le bonhomme quoi. Après son père, il est hyper grand. Mais c'est ouf quoi. Salut Furo! Comment vas-tu? Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Peut-être que Naminé est à l'intérieur? Attends un peu, l'original. Oh, ça y est, voilà le retour. Et merci beaucoup, Henri, pour le follow. Bienvenue à toi encore une fois. Coucou, Cunégonde. Comment vas-tu? Oh, c'est un beau petit pépère. Hein. C'est un beau petit pépère. C'est... Non, mais bon. Et merci beaucoup, Nevan, pour le follow. Bienvenue à toi aussi. Je passe rapidement avant le live. Putain, il faut que... Tiens, tu sais quoi? On va faire un truc, Cunégonde. Paf, je vais ouvrir la fenêtre de ta chaîne. Et si t'es encore en live quand j'ai fini, et bah...
Je t'envoie du monde. Je t'envoie les gens qui survivront à ce live. Je crois que je suis jamais passé de voir, je crois. On dit Nrika. Lol, parce que je ne suis pas un monsieur, mais avec plaisir. Oh ! Ah ouais, mais il y a marqué Henrika. Moi, je vais jamais réussir à le lire correctement. Nrika. Je vais tenter. Je te promets rien. Sinon, je t'appelle Rika. Je vais tenter. 13-16 today ? Yes. D'ailleurs, KO, tu as jamais fini ton histoire la dernière fois. Oh ! Qu'est-ce que c'était mon histoire la dernière fois ? J'ai dormi depuis. Quel était l'intitulé du Pichu et Bruce ? Parce qu'alors là, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était potentiellement vendredi. Il y a eu plein de dodos depuis. Enfin, de micro-dodos, mais de dodos quand même. Hein ? Tiens, tu as changé ? Et la dernière fois que je t'ai vu, tu avais peur des ténèbres, mais ce n'est plus le cas. Comment le sais-tu ? Et parce que je suis toi ? Bon appétit. Non, je suis moi. Oh putain, ça va être compliqué cette histoire. Je suis moi qui le dis. Ça doit être sympa d'être réel. Une pâle copie comme moi ne pourra jamais être dire une chose pareille. Eh oui, je suis bidon. Mon apparence, ce que je ressens, tout. Bon appétit à ceux qui mangent. Et j'ai pensé qu'en trouvant de nouvelles forces, je pourrais être quelqu'un. Et quelqu'un d'autre que Toa. Eh mais rien n'a changé, je suis toujours aussi vide. Oh là là, ça va être chiant, ça je vous le dis direct, ça va être très chiant. Tout en moi est artificiel. Et tant que tu existeras, je ne serai rien de plus qu'une ombre. Pardon ? Pardon ? Attends, il vient pas genre de me déconner. Excusez-moi. Ma barre de vie ? Bonjour ! Je cherche ma barre de vie ! Ah ouais. Oh, ça va être. Non, ça va être chiant. Vas-y, fais ton truc là. Fais ton truc là que je te brain. Voilà. Oh, il est où le roi ? J'ai besoin du roi ! C'est la deuxième fois qu'on se battait avec lui. En normal, je serais tenté de dire... Oh, putain, la vache, que c'est pas spécialement un souci, mais... Oh, je sais même pas regarder. Non ! Oh, je suis débile. Bah ouais. Tout ça parce que je me suis trompé de touche. Ça, c'est si c'est pas énorme. Oh, putain. Quel enfer. Pourquoi moi je peux pas faire ça? Moi je sais pas faire ça. Bon, je pense pas qu'on va le one-shot, hein, les gars. Là. Je veux pas être... Ah, super. Allô? Ok. Et pourquoi je... Pourquoi j'ai pas de carte heal? D'accord. On va peut-être aller se faire quelques petits combats. Comme ça, histoire de... Je sais pas. Est-ce que... Bah, moi j'ai plusieurs problèmes là. Je vais avoir plusieurs problèmes sur ce combat. C'est que déjà c'est deux fois les mêmes persos. Du coup, des fois j'ai l'impression d'être le faux Riku alors que je suis le vrai Riku, mais je sais pas où mes yeux regardent, mais pas au bon endroit. Je ne peux pas faire des combos parce que mon deck ne se recharge pas. Et j'ai pas de proc de roi sur ce combat. Du coup, c'est un peu la merdasse. Parce que si Mickey me file pas un coup de main, bah... Ah, mais Ansem, il a dit que Mickey, il était pas ici. Est-ce qu'il est vraiment, genre, pas ici, quoi? Est-ce qu'il y a aucun moment où il va venir me filer un coup de main? Ça, c'est un peu la merdouille, hein. C'est un peu la merdouillasse.
Il y a des chances, yes. Ah oui, enfin disent, oui, enfin le faux on s'aime quoi. C'est pas Diz d'ailleurs, c'est Gara. Je crois qu'il est à Disney, mais ouais, pas de soucis, Kazu, bon appétit à toi. Le truc, c'est que là où je pense que ça va être compliqué, c'est que le mec, il met un coup, il m'enlève la moitié de... Enfin, pas la moitié, je suis un peu marseillaise là-dessus, mais il m'enlève un quart de ma barre de vie. Ça, c'est un peu tendu du luc, du coup. Vu que peut-être il va falloir qu'on farme un peu. Franchement, je suis déso pour le farm. J'ai totalement rien fait ce week-end, en fait. Hein. Là, je n'ai rien fait. Au pire, si vraiment ça passe pas, je farmerai cet après-midi, puis on finira demain matin. Enfin, en attendant, on va quand même retenter, mais là, j'avoue que je vais pas mytho, ça me paraît un peu compliqué, vu ce qui m'enlève comme life. Ça me paraît un peu tendu du look. Ouais, parce que Mickey, il est nulle part, en fait, ici. Hein. Il est juste nulle part. Hein. Oh, c'est pas grave, on a le temps. On a totalement le temps, non? On est pressé? Vous êtes pressé, K.O.? On va y arriver. Bah, je vois déjà rien que les mobs. Qu'est-ce qui me bouffe, là? Il fait que TV main, c'est compliqué. Je vais essayer de l'use à chaque fois, lui, déjà. Super. Ok. Waouh, je gagne tellement d'XP, c'est ouf. Ouais, on va pexouiller un peu. Je pense que... C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a battu du coup le faux Ansem. Je pense que ça a toujours été le faux Ansem. On a quand même gagné deux niveaux, hein. C'est la première fois qu'on gagne deux niveaux sur un boss. Je pense qu'on est peut-être un peu rique, quoi. Vu qu'il y avait rien à faire dans les niveaux, j'avoue que je me suis pas trop pris la tête, j'ai juste avancé. Je vais monter un petit peu ces PV. Ah mais non, je suis full life, putain, quel endroit. Bah c'est chaud de level par boss quoi. C'est peut-être qu'on est un peu en retard, non? Super. Ne toi pas sur la bonne line de taux, c'est terrible ça. Ah, The Cat is in the carton. Ça y est, t'en as marre de mater les pigeons? Ça t'intéresse plus? Non, donne-moi mon XP, arrête de me bully. Ça va disparaître. Arrêtez. Oh putain. J'ai pas eu l'XP. Ouais, peut-être avoir au moins la barre bleue, ouais. Je suis d'accord. Parce que là, je me prends quand même. Je me prends quand même super cher. Je trouve que je me prends quand même super cher. Oula. Le truc, c'est que si effectivement il n'y a pas Mickey pour me filer un coup de main.
J'aimerais bien aussi monter un petit peu mes attaques, parce que plus je lui ferai de dégâts, bah mieux ce sera. CQFD, moyen. Que je puisse au moins résister un petit peu, parce que pour me heal, j'ai pas grand chose au final. Hein. Putain, je recharge alors qu'il faut pas. Parce que là, ouais, je fais pas mal de dégâts en plus. Hein. Je pense qu'il faut que je up le truc qui est au milieu là. Voilà, je crois que c'est l'attaque, tout bêtement. Hop là. Que là Oogie Boogie il peut m'aider mais il peut m'aider qu'une fois quoi. Il y a Ursula mais je crois que c'est que vraiment quand je suis bas en vie qu'elle fait quelque chose la Jacqueline. Allez mode Dark Sasuke. Ça fait masse dégâts, mais alors j'ai toujours pas compris comment ça se déclenche. Là, c'est encore obscur. Hein. C'est quoi, c'est au nom de... Est-ce que quelqu'un ouais, sait exactement comment on contrôle ce truc-là? Parce que pendant un moment j'ai cru que c'était au nombre de Mickey, d'invocation de Mickey, parce que des fois les 3 Mickey ça te recasou, des fois les 3 Mickey ça te transforme, des fois c'est sans rien et des fois c'est en claquant des trios de cartes. Du coup, Kakamu, Kamulox quoi. Au prochain combat je up. Oh oh oh! Hello Tara Dunno! How are you little pyromane? Comment va la Belgique? Mais t'es plus en Belgique d'ailleurs. Comment va Paris? Ah non plus? Merde! T'es où? Ah t'es à Lille! Oh mais t'es dans le meilleur pays du monde! Je suis tellement jalouse. Comment ça va? Et bah ça va très bien. Ça va très bien. Et bien refrix. Re. Donc ouais, je pense qu'on va boost XP à fond. Boost attaque. Putain, je me tâte quand même. Hein. Voilà. On va prendre quand même un boost attaque un petit peu. Parce que je fais vraiment pas de dégâts. Hein. Oui, la plus grande braderie. Ouais, la braderie Bill, elle est cool. Putain, ce week-end, il y a le... Pas la braderie, mais il y a une brocante par chez moi, là. Samedi, je suis debout à 6h30, à 7h, je suis en bas. Ouais. J'avoue, la braderie Lille, je la fais tous les ans, d'habitude. Tiens, bah si l'année prochaine, ils refont la braderie Lille, pour ceux qui sont dans le coin, on pourra aller se boire un kawa, si vous voulez. Enfin, un kawa, que dis-je? Une bière, parce que c'est le Nord. J'ai fait mes études là-bas. Ricasse pour ça. Moi j'aime beaucoup, je kiffe le Nord.
Ouais, bah apparemment, oui, ils font une brocante. Alors, normalement, elle est au même endroit. Là, ils l'ont étalé en trois points différents dans ma ville. Vas-y, chiche, on s'organise ça. Bah, je vous dis à la prochaine braderie de Lille, si vous voulez. Pas de problème. Je viendrai de Normandie. Enfin, ou braderie ou un autre événement, quoi. Faut regarder. Il y a un salon aussi du jeu, je crois, à Lille. Il y avait un truc qu'ils avaient fait il y a 2 ans. Je l'avais raté de peu, là. J'ai mon pote qui est tatoueur qui est là-bas, et il me semble qu'il y avait un rassemblement aussi de geeks. Bon, sinon, il y a un moment où je peux les tuer, mais comment ça se passe hein? T'y es déjà allé? Ça vaut le coup ou pas, Kazoo? Wayo! Vous courez trop! Comment que ça va? J'avoue, j'en ai jamais fait des salons comme ça. Non, par contre, faut arrêter de... Voilà, merci monsieur! Moi j'ai l'habitude de la Japan Expo. Donc ça reste... Ah, la Japan Expo, ça par contre, tu vois, c'est vraiment un truc que je ne ferai plus. Ça ne me hype plus. Content d'être rentré, de me poser enfin devant un bon stream. Oh! C'est ici le bon stream? Oh! Ouais. Moi, la première Japan Expo que j'ai fait, c'était encore sur le parvis de la Défense, là. Dans une petite salle au niveau de la Défense. C'était cool à l'époque. C'était beaucoup plus petit. Là, ouais, j'y vais plus. J'y vais plus depuis longtemps. Ah, tu m'étonnes. À porter le masque toute la journée, ça doit être très très chiant. La ville, c'est plus convivial. Tu vois, la Japan Expo. Pour le cosplay, grave. La dernière JO que j'ai fait, une des dernières que j'ai fait, j'étais cosplayée. J'avais fait mon cosplay bah avec mes potes. J'étais en chi de Chobits. Des bisous, Rika. Enrika, pardon. Je vais essayer de le dire bien. Des bijoux. Des bisous, Cunégonde. À toutes. Parce qu'était rigolo, c'est que on était plusieurs, on avait fait que du clan. Et moi du coup j'avais fait Chi, et j'ai une pote de l'époque qui avait fait sa sœur jumelle, qui elle habillait tout en noir. Et moi à l'époque j'étais comme ça, très grande et comme un fil de fer, elle était toute petite et elle avait ma longueur sur la largeur, on va dire. On faisait pas vraiment les sœurs jumelles quoi. C'était rigolo, on s'était bien marré. Avec ma perruque blonde platine. Convention sympa à Paris. Si tu aimes tout ce qui est jeux vidéo, jeux de société, c'est Geekopolis. Je fais très rarement les conventions parce que... Je faisais pas mal d'agoraphobie quand j'étais plus jeune. Je suis très mal à l'aise quand il y a beaucoup de monde. Ça se voit peut-être pas par le PC parce que c'est le PC quoi, mais je suis hyper timide. Du coup c'est compliqué. Mais yes. Un jour je me ferai violence. Pour ça je vous dis, si un jour il y a une conférence cool quelque part et que c'est pas trop trop loin de chez moi, why not se faire un truc s'il y a des gens qui sont dans le coin. Je viendrai avec un jambon, sans se reconnaîtra. Enfin quoique non, je suis con, moi je connais pas vos têtes, mais vous connaissez la mienne, lol. Réflexion de blonde. Allez, bats-toi!
Même comme ça, il fait pas si mal que ça. Hein. Je pense en vrai que, outre monter la barre de PV, il faut vraiment que je up la barre de dégâts parce que. J'espère que personne ne demanderait. T'allumer ou t'éteindre avec le bouton caché. Ah non, 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 j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Oh putain, j'avoue le malaise. Bah, c'est le petit côté clamp, je pense. Enfin, c'est un peu la marque de fabrique. Hein. Il y a toujours des petits trucs un peu Aishi, voire un peu Yuri dans des clamps. Les Pixel D en belle vie. Je connais pas du tout ça par contre. Une convention brocante centrée. Ça doit être vachement sympa. Putain, puis ça doit bien marcher en plus. Et je spam mes gâchettes. Bon, après là, c'était fait main. Hein. C'est le seul costume que j'ai fait de ma vie. C'était pas un truc de pro, quoi. Je crois que ma meilleure amie, elle avait fait un cosplay d'une nana dans... Je crois qu'elle, elle avait fait une des nanas dans X de clan. Donc c'était sa copine qui avait fait ça. Oh, je sais plus. Je me demande si c'était pas la nana de XX Solik qu'elle avait fait. Oh, je sais tellement plus. Je sais plus. Ça remonte il y a trop longtemps. Ike. Tiens, petite question, Kazu. Comment tu le déclenches le mode Super Saiyan là? Le mode Dark Sasuke. Il y a une manip à faire parce que j'ai l'impression que c'est totalement random. Des fois c'est, ça se déclenche quand je fais rien, des fois ça se déclenche quand je fais des combinaisons de cartes là, et des fois ça se déclenche pas. Ou je ne comprends pas trop comment ça fonctionne cette merdouille. Ah, d'accord, pardon. Excusez-moi. Je... Pardon. Et paf, et paf. C'est en fonction des cartes break. Oh, je sais pas. Je comprends pas comment ça marche. Parce qu'en vrai c'est bien, ça tape beaucoup plus fort, mais c'est con si c'est totalement random. J'ai pas l'impression que j'ai vraiment de... la main là-dessus. C'est un peu frustrant. Hey,
Bah oui, mais comment tu sais? C'est quand je vois une carte en bas, faut absolument que je la pète, c'est ça? Ça, je pense que ça m'aiderait à tomber mon double maléfique, mais... Okay. Super, je suis pas sur la bonne ligne. Mais je suis pas sur la bonne ligne! Je vais mourir. Je vais mourir parce que je suis nul. Je vais mourir, je ne fais pas de dégâts. Pardon. Non. Ah, ils vont me buter. Ils vont me buter, j'aurais pas dû y aller. Non! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Et pourquoi il est dans mon cul, lui? Oh putain! Ike, mais au secours! Oh, je vais dire c'est mort. Je l'ai vu son petit coup de pied passer là. Et je fais une capote. Normalement, je perds pas d'XP donc ça va. Mais... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait un hashtag titre. Oups. Par contre, ouais, ce qui est cool, c'est que... Ah! Qu'est-ce qu'il fait dans mon cul? Yes, pardon. Quand tu décèdes, tu perds pas d'XP et tu peux très bien commencer un combat et le fuir en plein milieu et tu perds pas d'XP que t'as déjà ramassé dans le combat. Ça, c'est plutôt cool, par contre. Alors, nous, on va le bully. Je pense pas que je les pex sur ce combat. Enfin, up, mais... Je serai pas loin. Si je pexe pas celui-là, c'est au prochain. Je ramasse. Non, ce sera pas celui-là. Au prochain! Ah, j'ai tout fini. J'ai tout fini. Bah oui. Bah oui, oui, oui. On va aller par là. On va aller par là. J'ai pas un truc qui... zone pesanteur. Coin agressif. Ce serait bien qu'il y ait une zone double XP, tu sais. Bah mes cartes sont pas illimitées en fait, Frix. Tout à l'heure j'avais plus de cartes. À force de faire des combos, je n'avais plus de cartes. Donc illimité, je crois vraiment pas que ce soit illimité. En vrai, je pense qu'elles sont pas du tout illimitées. Parce que tout à l'heure, sur le boss, j'ai fait des combos et j'avais plus de cartes. Et c'était pas rigolo. Du coup, c'était pas très très rigolo.
Non mais c'est ce que vous m'aviez dit aussi. C'est pas grave en soi, hein. Mais j'ai testé et ce n'est pas approuvé. L'abus de combo est dangereux pour la vie. C'est vendredi ou la semaine prochaine le cinéma de Chicha? C'est ce vendredi, Rétro. C'est cette semaine. Là, au niveau du planning, le matin, toujours sur Kingdom Hearts, même si je pense que là, on va le finir incessamment sous peu. Je pense que jeudi matin, au max, on sera sur autre chose. Ce soir, bah, du coup, le soir où on reste sur Zelda, parce que lui, je pense qu'on n'aura pas fini cette semaine. After. Bah, je sais pas, Sakakara, parce que là il reste encore une heure, mais si on farm. Si on farm, je ne sais pas. Quoi? I speak English very well? What is the problem? And after demain soir, par contre. Oui, petite annonce, hein, parce que je ne l'avais pas teasé, j'avais oublié. La nana qui oublie tout. Demain soir, je ne serai pas en live sur cette chaîne, mais sur la chaîne de Ko-fi, puisque je suis invitée avec Mademoiselle Coquillette à débattre et à échanger sur notre sujet préféré, bien entendu, les RPG et les JRPG, vu qu'on n'en fait jamais, voilà. Et plus particulièrement sur les clichés qu'il y a dans les jeux, comme par exemple le héros nier, Naruto et Sasuke, voyez. Le méchant qu'il était pas méchant. La nana fanservice. Vous voyez, toutes ces petites choses. Donc surtout, bah, n'hésitez pas. Nietidus. Ah, mais il est pas Nietidus, il est amoureux. C'est un canard, c'est tout. C'est ou au méchant antipathique. Enfin voilà. N'hésitez pas, bien entendu, à venir en discuter avec nous. Et à faire des listes, et à proposer des jeux, ça va être rigolo. Ça va être sympa. Ah non, c'est une 9, pardon, je t'ai pardon. Je viens de me faire pompon. Ça va être chouette. Enfin, c'était sympa déjà, on avait fait la première avec lui de son émission, là, à la cafette. Enfin, c'est pas vraiment une interview, et Bruce. C'est juste... franchement, c'est posé en mode blabla, quoi. On avait fait la première émission avec lui qu'il avait fait sur les JRPG. Bah, pareil, avec Coquillette, on était déjà la même team. Et c'était plutôt cool. On avait échangé sur pas mal de jeux, ce qu'on en pensait, tout ça, tout ça. Et là, ce sera plus ciblé, bah, comme je disais, sur les clichés au sein des jeux. Ce qu'on a pu observer à travers les différents jeux vidéo. Ça va être rigolo lol. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Après, je sais pas, en vrai, en termes de jeu, je sais pas trop celui qui rassemblerait le plus de clichés. Parce qu'il y en a quand même, il y en a quand même qui s'en payent une sacrée tartine. Tale of Symphonia, il est quand même pas mal, hein, je trouve. Il en rassemble plutôt pas mal. C'est plutôt ça. Un autre débat pourrait être sur l'évolution des RPG, est-ce qu'on entend dans le futur? Ouais, ouais, j'avoue que... J'avoue que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une question effectivement intéressante. Perso, ça m'inquiète beaucoup l'avenir du... L'avenir du RPG m'inquiète pas mal. Enfin, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui, mais... Ah non, 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 je... Je dis pas ça, Sakakara. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai pas du tout aimé le gameplay.
vraiment gameplay, mais je trouve nul à chier. Enfin, un des pires gameplays, hein, j'ai pas mytho. Mais bon, au niveau des clichés, t'as quand même Côtelette qui est complètement, enfin, qui est complètement niaise et teubée au possible. Le héros, je sais plus comment il s'appelle, Lord, il est complètement mais teubé aussi. T'as le fanservice avec Sheena et puis la maîtresse, un petit peu moins la maîtresse, mais Sheena a quand même un décolleté assez intéressant. T'as des invocations. T'as le méchant qu'il était, que tu croyais qu'il était pas méchant, mais en fait t'as le double. C'est même pas ça, c'est que t'as le double parce que t'as Kratos et t'as l'autre avec ses cheveux rouges là. Où t'es gentil mais t'es méchant, mais en fait t'es gentil mais t'es méchant, tu vois. Enfin c'est non, il en regroupe quand même pas mal, je trouve, Tale of Symphonia de ce côté-là. Mais après, ça n'empêche pas que un jeu bourré de clichés peut être très très bien. Hein. Enfin, au niveau de l'histoire, encore une fois, j'ai rien à reprocher à Tale of au niveau de l'histoire. Et le reste, bah, c'est juste une question de goût, quoi. Même quand il y en a pas, c'est le jeu top, quoi. Oh non, les RPG, tant qu'il y a des invocations, moi je kiffe. Plus en plus réaliste. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, bah, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, rétro. Oh putain! Mais non, mais d'ailleurs, je suis con, mais mercredi soir! Mais c'est ça que j'ai oublié! Mercredi soir, il y a la conférence Square Enix! Je crois que c'est mercredi ou jeudi! Ça, c'est pareil, hein! Faut pas qu'on la rate, les gars! Hein. La conférence que j'attends le plus! Ça, c'est pareil! On la regardera! Incroyable! Faut pas que je la rate, elle! Non! Ah non, faut pas manquer ça. Ça c'est absolument improbable de manquer ça. Ishpin, nope. Nope. Bah oui, ils vont nous repasser la bonne annonce d'FF16, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est ce qu'on se disait la dernière fois. C'était sur la conférence Ubisoft, je crois. Moi j'ai un... Enfin... J'ai un problème avec l'évolution du jeu vidéo en général. Encore une fois, c'est juste propre à moi. Hein. C'est voilà. Mais j'aime pas du tout le fait que tous les jeux commencent à devenir vachement réalistes. Tu vois le côté cartoon qu'il peut y avoir dans Kingdom Hearts, tous ces trucs-là. Enfin, il y en a encore. Hein. Mais il y a de plus en plus de jeux qui surfent sur le fait que la technologie le permette, hein, tout simplement. Et qui deviennent hyper réalistes. T'as l'impression que les gens que t'incarnes, c'est des gens, ils ont le visage de ton voisin, tu vois. Moi, ça me perturbe de ouf. Ce que j'aime bien dans les jeux, c'est justement le fait de pouvoir couper avec ce qui se passe derrière moi et puis dehors. J'ai pas envie de jouer avec des gens qui ont la tête de Jean Bobby qui est devant le bar à pochetron en bas de chez moi. Ça me... Ah c'est ça Sakakara. Bah c'est ce qu'on se disait aussi, c'est que le tour par tour ça devient limite des jeux niches maintenant. Je trouve ça dommage. Ça m'attriste. J'ai pas celui-là. Ça va être celui d'après. Tiens, bah tu sais quoi? On va déjà lui offrir ça. Tac. Ouais, les indés sont là pour ça, mais pas forcément, tu vois, il y a des licences. Encore une fois, je reviens sur FF, mais ça me chafouine en fait. Ça me chafouine de me dire que maintenant, si je veux du RPG au tour par tour, bah ouais, va falloir que j'aille totalement taper dans le blindé. J'adore le rétro et la 2D, mais pourtant je reste fasciné par le réalisme des jeux de maintenant. Quand tu vois The Last of Us 2 par exemple, ça n'aurait pas eu. Et si ça avait pas été aussi beau. Non mais ça, j'en conviens totalement. Mais tu vois, regarde, c'était la bonne annonce de quoi ? Last of Us 2, à la limite, ça me dérange pas encore trop. Là où je trouve ça, où je trouve que ça commence à être un peu creepy, c'est... tu vois la cinématique qu'on a vue à la conférence Ubi, où on était comme des cons en mode, mais c'est des vrais gens ou c'est pas des vrais gens ? Ça me perturbe, ça par contre. Ça vraiment, ça me perturbe. Il y a beaucoup de jeux, tu vois, où oui... C'est quand c'est des humains, c'est vachement bien fait, c'est très joli, c'est très bien réalisé, bah comme The Last of Us, hein, le jeu est très très beau. Mais t'arrives encore à dire que c'est pas des vrais gens dedans. Enfin, je trouve que ça se voit encore dans ces jeux-là. Du coup, ça me gêne moins. Mais il y a des jeux où ça se voit plus.
Moi j'ai pas envie de jouer avec avec un vrai Jean-Michel et une vraie Jacqueline. Mais encore une fois, c'est propre à moi, hein. Y a des gens qui adorent ça. Heureusement. Il faut du tout pour faire un monde. Octopass, si tu veux durer trop. Ouais, c'est déjà fait, petite pause. C'est déjà fait. Là, j'attends avec grande impatience le nouveau Bravely Default qui va sortir sur la Switch. D'ailleurs, je vous préviens, peu importe ce qu'on fait, dès qu'il y a une date de sortie... c'est le genre de jeu qu'on fera J1. Hein. Voilà. Il y en a pas beaucoup qui me hype à mort comme ça, mais... celui-là, oui. D'ailleurs, j'aimerais bien me refaire les deux Bravely avant de faire ça. Je pense que dans le prochain event, je vous mettrai la saga des Bravely Default. Enfin, il y en a que deux. Il y a Bravely Default et Bravely Second. Je pense que ça peut être sympa de se les faire sur le matin. C'est fou ce qu'ils font au niveau de détails de visage, les rides, la peau, les expressions. Ouais. Oh oui, non, mais c'est dingue maintenant ce qu'on fait. Hein. Enfin, ce qu'on fait, ce qu'ils font les mecs qui font les graphismes des jeux. Il n'y a toujours pas de date? C'était 2021, non? Il me semblait que c'était 2021. On va voir, écoute. Hein. De toute façon, comme je vous dis, ça c'est techniquement le genre de jeu. Ça, il y a deux jeux pour l'instant où c'est sûr qu'on les fera J1. C'est Bravely Default et Disgaea 6. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu une annonce du nouveau Disgaea. Ça, je suis contente. Ça, je suis très contente. Ah, je suis rentrée sur le boss. Non, c'est bon. J'ai cru que j'étais retournée voir Riku. Parce que... Faut qu'on se fasse le 4, d'ailleurs, de Disgaea. Il faut qu'on se fasse le 4, que j'ai aussi. Ouais, j'en ai entendu parler aussi de X. Il est dans la liste des RPG qu'il faut que je fasse. Faut que je faille aussi Sky of Arcadia, faut que je fasse Chrono Trigger. On est encore là, j'espère que vous n'en avez pas marre, parce qu'on est encore là pendant un moment. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a tellement de jeux. C'est comme ça qu'on passe d'une Aerith vide de charisme à un personnage attachant. Ouais, mais bon, en attendant. C'est aussi comme ça qu'on passe de personnages secondaires en 97 comme Big et Ace et qu'on passe à un gros troll sur un personnage qui est apparemment gros et stupide en 2020, quoi. C'est dommage. Tu connais pas les Disgaea? C'est du tactique RPG avec un humour mais totalement décalé. C'est absolument génial. Génial. Enfin, moi, c'est une licence que j'ai connue très tardivement. Je crois que Disgaea 1, on l'a fait quand? L'année dernière? L'année dernière ou il y a 2 ans? Et la particularité, en fait, c'est que tu peux... tu débloques au fur et à mesure des classes dans le jeu pour créer des teams. Et tu peux les nommer comme tu veux. Donc là, ce qui est cool, enfin moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais ma team de viewers. Et tu peux les faire mourir, tu peux les faire évoluer, fusionner. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi, mais en mode très drôle. T'es en train de faire le 4? On a fait le 5 avant de faire le 4, là. J'ai le 4 sur la Switch. Je pense que ça va arriver un de ces 4. Chrono Trigger, je recommande. Du petit Chrono Cross. Ouais, Chrono Cross, j'en ai déjà entendu parler aussi. C'est comme je vous disais, il y a tellement de RPG que... C'est compliqué de tout faire. Wargroove, ça peut être un peu... En fait, c'est assez particulier, si tu veux, Disgaea. Parce que t'étais vraiment mais dans le tactique... Dans le tactique, mais de ouf, quoi. T'as vraiment pas mal de trucs à gérer, c'est hyper sympa, mais... est-ce que tu as la Switch, petite pause? Il y a le 5 qui est gratos en ce moment. Alors, tu pourras pas le faire en entier, parce que... À moins que tu sois vraiment foutu dessus H24. Mais il est... pour la sortie du 6, du coup, ils l'ont mis pendant une semaine gratuit sur la Switch. Sur le Nintendo Gameplay, là, ou je sais pas quoi, Nintendo Pass, je sais pas comment ils appellent ça. Ah merde. Ouais, le 5 est vraiment sympa. Mais c'est surtout l'humour, moi, en fait, qui
qui me rend accro à cette saga, c'est que c'est tellement con. Vraiment, c'est tellement con. Moi, ça me fume. En fait, si tu veux, c'est ta... En gros, dans Disgaea, tous les persos, ils sont névrosés. Ils ont tous des traits de caractère, mais... Mais c'est très drôle. Enfin, vraiment, moi, c'est une saga que je conseillerais, mais peut-être pas forcément aux néophytes du genre tactique, parce que c'est quand même assez poussé. On n'est pas sur du Final Fantasy tactique, quoi, qui est quand même vachement plus simple à prendre en main. Mais si t'aimes bien le genre, petite pause, je te le conseille. Après, tu peux les trouver en occasion. T'as le 1 qui est pas très cher, mais pareil, le 1, il est d'autant plus compliqué que le 5. Le 5, c'est une bonne entrée en la matière, je pense. J'aurais pas bossé de la matinée. J'en peux plus, merde. Bon, après, c'est pas de ta faute, là. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, hein. Non, ça me dit rien du tout, Sakakara. Ça, de nom, ça me parle pas. Wargroove, j'ai pas aimé. XCOM, j'aime pas trop non plus. Ah. Ah, il est sur... d'accord. Je ne connais pas. C'est pas un truc avec des cartes? J'ai vu ça ce matin, là, vite fait. Le JRPG est sorti sur GameCube avec un gameplay qui joue avec des cartes. Ouais, d'accord, ok. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu vite fait, vu qu'il est en host automatique. Quand j'ai lancé le live, je voyais qu'il était sur un truc avec des cartes. Peut te faire. C'est avec les cartes. Ah oui. Ah sérieux. Allez. Bon, est-ce qu'on retente de se faire le vilain là? Je pense que ça suffira pas, mais j'en ai marre de farmer. Alors je vais peut-être le baisser un petit peu, le maître de cérémonie. Je vais peut-être le baisser un peu. Pas beaucoup, mais un peu. De toute façon, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais refaire un petit peu. Il y a 2-3 trucs de l'interface qu'il faut que je refasse. Là, j'ai reçu ce matin... j'avais commandé mes alertes. Vous savez, les trucs alerte host, tout ça. Il n'y aura plus les petits chats. J'ai fait faire un truc par rapport à l'interface que j'ai là. Je trouve ça plus mignon. C'est ça. Je vais mettre à 399. Allez, c'est reparti. Oh, l'accéléré remarche plus encore. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. Bon, je refais une tentative. Ce qui est con, c'est que je sens qu'on est à la fin. Du coup, ça fait chier parce que là, c'est juste de l'XP maintenant. C'est juste que j'ai pas assez pex. C'est un peu la pinette en fait quand t'es dans le monde de Riku, c'est que ça va tellement vite parce que tu fais le monde, tu rentres, t'as le boss, c'est tout ce que t'as à faire, que du coup tu prends pas forcément le temps de farmer. Bon allez. Deuxième tentative, faut que je garde du zéro. Merde. Oh, je me suis bourré, c'est terrible.
Je suis gourée encore. Faut que je garde du zéro, Jacqueline, tu le sais. Pourquoi tu le fais pas? Quel est con. Pousse. De toute façon, faut pas que je fasse trop de combos parce que ça va pas le faire. Oh! Il m'a coupé. J'allais dire le petit bâtard, il m'a piqué. Il m'a coupé mon mode obscur. Speed du zéro! L'enfer. Ah bah voilà. Mais c'était bien, hein. Super. On n'a plus le droit de se gratter l'oreille. C'est scandaleux. Mais je peux pas me heal. Pourquoi moi j'ai pas de heal? C'est pas possible ça quand même. Et pourquoi? C'est débile. Bon bah voilà. Bah c'est fini. C'est pénible. Bon, je refais une tentative parce que je suis têtu, mais en vrai ça sert à rien. Faut que je pègue. J'ai pas assez de PV. J'ai pas assez de PV. Le mec il me met 3 mandales. Bah bisous. Ich bin kaputt. Allez, zéro bardi. Super. Oh putain, je peux pas le cut. Yes, yes, yes. Elle est où la zéro? J'ai pas de zéro. Putain, mais c'est un scandale. C'est de la merde, hein, son deck, par contre. Hein. Je peux pas le cut. J'ai plus de zéro. Ah si. Ouais, est-ce que j'arrive à quoi? J'arrive à lui enlever la première barre, mais c'est tout quoi. C'est tout. Putain, puis ça dure pas longtemps, ça. Hein. Son mode, il dure rien à lui. Ce qui est très bizarre, d'ailleurs, parce que... Son mode, à lui, dure pas. Enfin, sur lui, il ne dure pas, tout du moins, alors que... Sur les combats, j'ai l'impression que ça dure plus longtemps. Je sais pas pourquoi. Ah, je suis stun. Ouais, c'est mort. C'est mort, je n'ai pas assez de PV pour le battre. Oui, c'est vrai, je l'ai mis à la moitié. C'est bien déjà.
Et du coup, il manque quand même... il manque quand même vachement de... Ouais. Il manque quand même vachement de barres de vie, là. Hein. C'est fou, hein. C'est fou. Alors, bon, on n'est pas allé par là. Oui, on se rassure comme on peut, exactement. Mais je peux pas changer mes cartes, et Bruce, il a pas de deck. Lui, il a pas de deck. C'est ça le truc. C'est que c'est totalement random. T'as aucune gestion de rien du tout avec Riku. Donc c'est bien, il tape plus fort, mais pas forcément en fait. Enfin, au début c'était bien. Maintenant, maintenant plus trop. Dedans. Du 6. On va aller sur du brutal. Bon, c'est pour ça là, je pense qu'à part XP et monter ma barre de PV et monter le truc du milieu là. Qui fait que bah justement tu donnes des coups plus forts, si j'ai bien compris à quoi ça sert. Ouais, totalement type pose. Ouais, c'est ça les AP. Je pense que je peux pas faire grand chose d'autre. Hein. Là, je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre. Donc, je pense que cet après-midi, eh bien écoutez, je vais tranquillement manger, prendre ma petite douillouche et me mettre sur Breaking Bad, sur mon deuxième écran, et farmer. Voilà. Un mode action replay. Ah non, moi je triche pas. Tricher, c'est pas bien. Ouh là là, Post-it veut qu'on triche. Ouh, bouh. C'est pas beau. Non, non, on en chie, hein. Ici, on prend le jeu tout en entier pour en chier, hein. On a signé pour en chier. On fera pas les choses à moitié. À la dure, exactement. Ouais, fermer pour fermer, c'est chiant. J'avoue que s'il y avait un truc genre XP+, ou une connerie comme ça... Ça pourrait être sympa. C'est ce que je disais tout à l'heure, au moins c'est juste une salle... enfin, une carte avec une salle XP+. Même ça, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Merde. Mais bon. Le farm sur les RPG... Peut-être un code. Ah, je sais pas si tu... Je sais même pas si tu peux mettre des codes cheat là-dessus. J'ai pas envie de cheater. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire ça tranquille. Devant ma petite série. Ce que je fais d'habitude quand il y a des... quand il y a du farm à faire. Je me mets ma petite série. Et pisou. Voilà. Je ferai ça une heure ou deux. Après, je vais faire ma sieste, histoire d'être au taquet pour ce soir. Parce que ce soir, il y a Zelda. Il y a Zeldo, pardon, qui nous attend. On va explorer une nouvelle... Ah oui, c'est vrai qu'on va dans le ciel. On va chez Baba ce soir, normalement. Si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ouais. Faut que je me prépare psychologiquement. Le temple de l'eau. Non, on l'a déjà fait.
J'ai déjà fait tout ça. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'était le temple du temps, le temple de l'arachnophobie. C'était horrible. J'ai détesté ce moment. Ah, je le refais. Bah non, en fait, hein. Il y a des replays, voilà. Oh non, merci monsieur, hein. Non, merci. Allez, laissez-moi me battre. Para, para, para. Bon, je vais gagner le niveau et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. J'irai farmer en off. Parce que comme le dit très justement Post-it, c'est pas hyper fun. Et dans ce cas-là, bah, si j'arrive à s'épexer, on défonce les petites pattes de Riku demain matin. Et next. Voilà, si ça vous va. Si cela vous convient, bien entendu, sur le tutu chapeau pointu. J'ai chaud là en plus. Oh, ce cul. Mais ouais, pour la strat, je pense qu'on est raccord. Hein. C'est HP, AP. Voilà. La technique de l'ombre. On va pas compter là-dessus. Quand t'es proc, ça fait des dégâts, mais il faut que ça proc. Donc ça proc quand même pas souvent. Je vais compter sur mes propres capacités. Des bisous, Lulu. Bon courage à toi pour ta journée. À te le twir. Et replayer. Ça a été la piscine. Ah bah voilà. C'est pas bien. Des bisous, Lulu. Tranquille, tranquille, bah écoute, tu arrives sur la fin. C'était mon dernier combat de la journée. On est trop faible pour péter la gueule de mon alter ego là. Tac. Erf, au programme. Je vais farmer devant Breaking Bad. Hop là! Dommage, ça m'empêchait de m'ennuyer vu que je peux toujours pas bosser. Ah merde, t'es toujours en chômage technique! Mais t'inquiète, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer vers d'autres cieux. Allez, on va les sauvegarder. On va aller sauvegarder. Tac. Zou, bon, niveau 39. Je voudrais... En vrai, ce qui serait bien, c'est que je sois au moins niveau 40, mais je suis pas sûre d'avoir la foi de faire mes 10 niveaux cet après-midi. Je vais voir. Je vais essayer de monter au maximum pour que demain... Bon, à mon avis, on va pas le passer finger in the nose, quoi qu'il arrive, mais que au moins, on ait de quoi se défendre. Ça va être ma mission de l'après-midi. C'est la fin de chantier pour toi aussi, bien bon courage, bon courage. Et dans ce cas-là, je pense que, si je dis pas de conneries, enfin ça a l'air d'être ça, hein, on devrait finir le jeu demain matin. Voilà. I think.